tous, je suis Christophe Marois, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Guitare Extrême. Alors pour le dernier mois de cette année 2022, je vous propose une petite étude de style autour de quelques éléments de toucher d'un guitariste génial qui s'appelle Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits. Donc je vais essayer de vous montrer quelques aspects qui ne sont pas forcément tout le temps mis en avant dans son jeu. On connaît bien sûr son jeu au doigt sans médiator, hein, donc en posant les deux doigts ici, annulaire et petit doigt, sur la table de la guitare. Et il joue pouce index majeur en alternance, plus ou moins, hein, avec des liaisons à la main gauche. Mais je vais vous montrer certains petits aspects de toucher qui concernent en particulier l'attaque de la corde à la main droite, parce que ce sont des trucs qui ne sont pas forcément souvent vus et qui sont, à mon avis, qui font partie du secret magique du toucher de ce guitariste. Alors le premier exemple est une phrase blues rock, on va dire, autour de la pinta de La mineur. Donc c'est la suivante. Je vais le détailler, hein. Mais cette phrase, elle est surtout prétexte à vous parler de l'attaque de la corde à la main droite pour obtenir un son à la limite des harmoniques parfois, et qui donne vraiment un toucher, un son, j'appelle ça un son de gorge, un peu un... Voilà, cette espèce de d'enroulement là du son, ça c'est dû en fait au fait d'attaquer la corde. Voilà, on entend bien le glou là. Il s'agit d'attaquer la corde avec le pouce et l'index en même temps. Donc le pouce est sur la corde de sol, là je joue la note do, hein. Sol avec le pouce, avec les deux doigts, et on a une percussion, un son particulier. Là c'est seulement le pouce, seulement l'index, et là les deux. Voilà, ça c'est, il le fait souvent ça. Alors le pouce en avant sur la corde et l'index sur la même corde, corde de sol, et les deux doigts attaquent en même temps. Alors, il faut trouver la juste balance, le juste milieu, en fait, entre l'intensité du pouce et de l'index et l'endroit où vous attaquez sur la corde. Voilà. Et là, en fait, c'est fait à 2-3 endroits du plan. Là, c'est un bend vers la quinte de la pinta, là, en la mineur. Ça, il le fait souvent, très souvent, mélodiquement. La ghost note, très présente dans son jeu. Et ici, la fin du plan, qui fait... L'appareil attaque à deux doigts. Et ce qui est intéressant, c'est sur la descente, là, sur ce... C'est que je joue le La, la note La sur la corde de Ré, et sur la corde de La grave, cette petite liaison vers la note Ré, cette corde de La est jouée avec le pouce et l'index en même temps à nouveau, pour obtenir un genre d'harmonique là, et le majeur va jouer la note La qui est sur la corde de Ré. Bon, désolé, entre la corde de Ré et la note Ré, donc on est d'accord, le La, la note est sur la corde de Ré, et la note Ré est sur la corde de La. Et là, à nouveau, une attaque de cette note-là, avec deux doigts, sur la même corde. Donc je le rejoue tout doucement.
Alors, ce deuxième exemple va mettre en avant l'attaque particulière qu'il fait par moment dans ses solos, c'est-à-dire... Voilà, ça, en fait, d'habitude, quand c'est joué au médiator, on étouffe main droite ou main gauche les cordes avant qui précèdent en fait la note qu'on attaque. Ça donne cette attaque puissante et baveuse. Alors que là, c'est beaucoup plus localisé. Et on entend plus précisément en fait les attaques. Alors c'est un choix, hein, c'est pas forcément ça qu'il faut faire à chaque fois, mais on a cette possibilité d'avoir un crépitement là juste avant la note. Alors c'est pas facile à faire, je vais vous montrer précisément comment on fait. Donc là, le plan fait ceci. Alors là, ça ressemble un peu à la fin du plan Calling Elvis. Hein. Voilà, on est proche de ça. Mais le truc vraiment caractéristique du plan, c'est ça. Et ça se joue comme ça. Donc on a pouce index sur la corde de Ré. La corde de Ré est mutée par l'annulaire. Ensuite, la note cible, ici le Do, est jouée par le majeur à la main droite. Donc ça fait pouce index corde de Ré, majeur muté sur la corde de Sol. Donc ça fait au niveau des cordes. Et on mute. Là je les joue. Muté cette fois-ci. Et ensuite le pouce va passer par-dessus la corde de Ré pour venir attaquer finalement la note Do. Donc ça va faire lentement ceci. Voilà, c'est comme ça qu'on a le crépitement et la corde attaquée par le pouce qui descend. Voilà, faut se le mettre dans les doigts, après ça vient assez vite, mais c'est pas évident. Voilà. L'exemple numéro 3, lui, met pas en avant une technique particulière de main droite, si ce n'est la combinaison en fait des attaques et des liaisons sur un déroulé de gamme, quoi, et qui va mettre en avant qui va caractériser le côté fluide et assez lyrique en fait du jeu de Knopfler. Bon, il y a toujours cette attaque à deux doigts là sur la corde sol. On est en la mineur, hein, cette fois-ci ici. Voilà. Et donc la phrase mélodique est très simple. Elle est tirée principalement, il y a à peu de choses près, c'est la même du live You and Your Friend sur On the Night, leur dernier album live début des années 90, 93 il me semble qu'il est sorti. Voilà, le plan fait ceci. Voilà, il n'y a aucune difficulté, si ce n'est que pour avoir la liaison, une liaison fluide en fait sur le déroulé du plan, c'est pas facile. Donc faut travailler la synchro main droite main gauche et l'intégration en fait des attaques à deux doigts là. Il y a ça aussi qui est pas évident. Voilà, donc ce plan, c'est vraiment un plan montée-descente de gamme et caractéristique quoi, de son style. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.
Abonnez-vous à la chaîne Guitare Extrême ainsi qu'à ma chaîne perso, dont vous trouverez le lien ci-dessous dans la description. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !